Venez voir. Avec sa planche en bois là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle montre un liqueur ou quoi? C'est un liqueur? Non, il y avait quelqu'un juste devant moi. Ouais, c'est un liqueur. C'est un liqueur. Bon, bah, c'est Irons qui s'est fait bouffer comme ça par un liqueur. On a Lisa Trevor qui est en train de faire la poule à un liqueur, quoi. Donc voilà. Lisa Trevor, c'est devenu quelqu'un de gentil. Voilà. Qui va aider nos héros favoris. Regardez cette image, comme c'est absolument moche, absolument hors de la réalité, avec de la CGI de merde. C'est de la grosse merde. Et ça se voit directement en moins d'une seconde. Et regardez, regardez ça. Regarde. On doit se rendre au manoir Spencer. C'est comment? Pas vrai? Elle lui parle. Il se pose pas de questions. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Ça roule. On sait que les liqueurs sont des ennemis. Mais Lisa Trevor, on sait que c'est une gentille. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense faire avec un gugus comme ça? Qu'est-ce qu'il croit faire? Ok, la fine clé. Eh, hey, c'est les clés officielles ou quoi ça? Ça va être chez Capcom ou pas? Non, parce que sinon ça marchera pas. Alors. Est-ce qu'elle montre la serrure et tout? Chaud, elle est encore derrière. La Lisa Trevor. La pseudo Lisa Trevor. Oh là là. Oh putain. Amis, attendez, je mets une pause là. Là, je mets une pause. Ils ont fini par faire Lisa Trevor, faire passer Lisa Trevor pour un personnage qui est affectif. Franchement, hein. C'est un personnage qui va aider donc nos héros favoris. Qui ont vraiment l'air d'être des losers, je comprends même pas, je comprends même pas. Enfin voilà, vous rappelez, hein. Moi j'ai maté, bon je dis, j'allais dire il y a pas longtemps, mais bon là ça commence à faire quand même plusieurs mois, mais j'avais maté un gameplay de Théo, qui est, oui je parle encore de lui, mais qui faisait un coup de Rebirth. Un coup de Rebirth, donc le remake de 2002. Et moi, je me souvenais plus trop, en fait, comment elle apparaissait. Tu vois, c'est pour te dire, tu vois. Moi, je dis, je suis gros fan, tu vois. Je me rappelais plus trop de ça. Mais avant de la croiser, Lisa Trevor, on se balade dans un petit chemin, comme ça. C'est un petit sous-bois, comme ça. C'est une petite forêt, comme ça, très lugubre, très macabre. Et on voit des petits papillons comme ça, des espèces de petits grillons qui sifflent, des petits machins et tout. C'est vraiment pas rassurant. Il y a 2-3 zombies pour arriver en fait à la fin à une cabane, une petite cabane abandonnée. Et je me souvenais plus comment on la voyait, comment elle apparaissait. En fait, il y a Jill Valentine qui passe une porte. C'est l'ouverture d'une porte en fait. C'est. L'entrebâillement d'une porte, c'est pas une porte, c'est juste un passage de porte. Et au moment où elle franchit ça, elle se prend, c'est les mains de Lisa Trevor, donc avec la petite planche de bois et tout, qui s'abattent sur sa tête et qui la font tomber dans les pommes. Elle est assommée tellement le choc a été violent, quoi. Et je m'y attendais pas, encore une fois, tu vois. Et pourtant, je connais le jeu quand même. Mais je me rappelais plus trop. Et une nouvelle fois, ça m'a surpris. Ouais. Et ça, c'est grâce au plan. C'est grâce à l'ambiance. C'est grâce à tout ce qu'il y a autour et tout. Voilà, ça, c'est du béton. C'est du béton armé, encore une fois. Et vous voyez ça, quoi. Vous voyez le résultat. Vous voyez ce qu'ils essayent de nous faire, là, de nous expliquer, de nous raconter, là. C'est vraiment de la grosse merde. Alors reprenons la merde. J'ai le plus fort pour entendre les conneries là. Je sens qu'ils vont dire de belles.